pâte magoule. Ouais, j'arrive. Merci, merci. Rami. Oui. Je peux sortir dans quelques minutes? Ok, ok, tu peux sortir. Oui, vas-y. Arrête de regarder ta montre. Ça ne fera pas arriver le bateau plus vite, tu sais, ma pauvre Fatma Ghoul. Est-ce que tu m'écoutes? Nous sommes sur le point d'accoster. Fatma Ghoul. Ça fait 10 jours que je ne l'ai pas vue. Ne joue pas trop les filles faciles, je t'en prie. Sinon, dans 2 jours, il en aura marre de toi. Arrête de sourire et remets-toi au travail. Bénine, viens, viens prendre le thé. À mon retour, parce que là, je vais à Yannick. Mes félicitations, Mustapha. Ta fiancée est ici. Personne ne nous a jamais accueillis comme ça, capitaine. Votre femme vous a déjà fait ça quand vous étiez fiancé? Sûrement pas. Elle ne m'ouvrait même pas la porte, tu sais. Alors tu imagines bien qu'elle n'est jamais venue m'accueillir au port, mon gars. Bah. Enfin de retour. Oui, je suis là. Bon travail, capitaine. On dirait que le voyage a été bon. Ça en fait du poisson. C'est grâce à toi. Tu m'attends une seconde. Je vais aider à décharger les caisses. Ensuite, nous irons voir la maison. Je reviens. Ça y est, je suis là. Laisse tomber, tu vas pas faire attendre ta copine. Non, il faut que je vous aide. Non, tu vas suer. Et tout ce parfum n'aura servi à rien. Arrête, mec. J'espère que vous avez fait bon voyage, monsieur. Oui, bien sûr. C'est très aimable de votre Hakim, part. Hakim, oui, monsieur. Tu devrais aller chercher un chariot. Parce qu'il y a beaucoup de bagages. Un à moi, 5 autres à mon oncle. Merci. Il y a les noms sur chacun d'entre eux. D'accord, monsieur. Ne laisse pas les bagages, tu n'auras qu'à prendre la 2e voiture. Récupère-les et dépêche-toi. Ah ! Hé, hey, bienvenue, Rezat. Ouais. Bienvenue, Périane. Bonjour, Périane. Bonjour, Mounir.
Ça fait plaisir de te voir, quoi de neuf? Où sont les bagages? C'est Erdogan qui s'en occupe. Alors dans ce cas, on y va. Ça va, papa? Tu reviens finalement nous voir? T'as qu'à dire ça, Rezat. Munir, comment vas-tu? Ben écoute, plutôt bien. Je t'ai demandé de rester avec les bagages, Erdogan. C'est Hakim qui s'en charge. Oui, et imagine qu'on en perde un, on fait comment? Ce sont les garçons qui s'en chargent. Je t'en prie, arrête de pester pour ça, Rezat. La voiture. Elle est presque ici, regarde. Oh, quelle chaleur. Erdogan! Je reviens dans une minute. Bon, où est-ce qu'il va maintenant? Hé, hey, ça va? Oui, ça va. Désolé de ne pas être venu à ta rencontre, je surveille la voiture. Ah, est-ce que tu nous attendais avec ça? Non, j'attends Vural, il vient juste d'atterrir. Ah ah, nous étions sur le même vol, je ne savais même pas. Et avec qui est-ce qu'il discute maintenant? Kerim, tu te rappelles Ebenin? C'est son neveu. Ne me parle plus d'Ebenin, d'accord? Tu te dépêches? Oui, j'arrive, une petite seconde. Quand il m'a dit pas se me prendre, j'ai pris la voiture de Galip et je suis venu. Ah, ok, ok. Et Selim, il est pas là? J'espère bien qu'il arrivera aujourd'hui, à vrai dire. Je pense qu'il sera là ce soir. Erdogan, dépêche-toi! Oh, il commence déjà à me gonfler. Tu devrais y aller, je te verrai à la fête des fiançailles. J'espère qu'on se verra plus tôt. Ouais, on essaiera. Dépêche! Allez! Pourquoi tu nous fais attendre sous cette chaleur? Désolé, Rezat. Ça fait des années que je ne l'avais pas vu, il fallait bien que je lui dise bonjour. Attends, il n'a jamais déménagé d'ici? Ben non. Il est resté parce qu'il surveille la baie avec la vieille Ebenin. Je te le dis, je vais détruire ces gens un de ces jours, crois-moi. Si nous pouvions faire affaire avec cette femme, le reste de la ville serait facile à manipuler, mais bon... Alors fais-le, Munir, c'est pour ça que tu es ici. Quand les nouvelles lois passeront, il faudra que nous payions au moins 5 fois le prix actuel sur ces terres. Et ça, Munir, ça représente beaucoup trop d'argent. Rezat, tu sais que nous faisons le maximum, mais cette femme résiste. Et nous ne voulons pas éveiller le moindre soupçon. Une fois ce mariage fini, je m'en occuperai. C'est la seule façon de faire avancer les choses. Merci à toi. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, ça devrait aller mieux maintenant. Merci. Et combien de jours il me faudra pour récupérer? Ne vous en faites pas, vous serez en mesure de danser autant que vous voudrez, ma très chère. La médecine des Bénines marche très bien, elle guérit vite. Certains disent qu'il insuffle même la vie aux morts. Oh, ce que vous êtes bête, mon Dieu, très bien. À très bientôt. Oh, merci. Vous ne pouvez pas rester là, dégagez. Ok. Voral, dépêche-toi, les flics veulent pas que je me gare ici. Ah, je te jure, celui-là. Allez, dépêche, sinon je vais me prendre une prune. Dépêche, allez. Je suis heureux de te voir aussi, Kerim. Bienvenue, mec. Merci beaucoup. Ça fait plus d'une heure que je t'attends, tout le monde est sorti sauf toi. Ah, c'était plein de monde. Alors pendant qu'ils prenaient leurs bagages, je suis allé prendre un café. Bon, alors, comment vas-tu? Ça va. Oui, je vois ça. Pendant qu'on était absent, t'as été souvent au gymnase. Ouais, bien sûr, je m'entraîne pratiquement tous les jours. Vraiment? Mais pas du tout, je passe mon temps à l'atelier. Oui, donc je suis pas loin de la vérité, tu soulèves du fer toute la journée. T'étais sur le même vol que les Yasaran? Je ne les ai pas vus. Erdogan, t'as pas vu non plus? Je suis sûr qu'ils étaient en business class. Selim arrive cet après-midi. Ah ouais? Alors toute l'équipe est de retour? C'est quoi ça? Change de station, je t'en supplie. Eh, je sais pas, c'est la voiture de Galip.
Merci. Pas de problème. Puis faites pas de bêtises, hein. Nous repartons en mer dans 2 jours. Ok. Je voulais voir l'avancée des travaux avant de rentrer chez moi. Tu viens à peine d'arriver, tu repars déjà dans 2 jours? On a besoin d'argent. Comment veux-tu qu'on se marie autrement? Ne fais pas cette tête-là, ça gâche ta beauté. De ne pas pouvoir te voir. Ça fait que 10 jours. N'arrête, s'il te plaît. Ok, ok, je vais plus rien faire. Je vais t'embrasser, c'est tout. Comment est-ce que je peux te résister? Termine vite la maison et marions-nous. Oui, c'est promis. Ensuite, nous ne quitterons plus la maison pendant 10 mois. T'es bête. Je te toucherai. Je te sentirai comme je voudrais. Et pourquoi on peut pas vivre avec ta mère jusqu'à ce que la maison soit terminée? Mes affaires sont prêtes, on peut se marier maintenant? Si on fait ça, Mukaddes ne la fermera plus jamais. Elle dira Mustapha n'a pas tenu sa parole, elle dira que tu as précipité les choses. Sans penser à rien d'autre, non, je vais finir la maison et ensuite nous nous marierons, c'est tout. Je veux que tu te maries, dans ta robe de mariée, sous ton joli voile. Dans un beau corset rouge et ensuite, je te porterai pour passer le pas de la porte. Contente de te revoir, Mustapha. Bonjour, maman. Là, mon fils, ça fait que 10 jours que t'es parti, mais tu viens ici en premier sans penser à moi. Tu préfères être avec elle, n'est-ce pas? Maman, on vient d'arriver. Je voulais juste m'assurer que la charpente avait tenu. Nous allions partir, je te jure. Vas-y, dis-lui. Et du coup, tu ignores tout le reste, n'est-ce pas? S'il te plaît, maman, ne dis pas ça, s'il te plaît. Je ne vois Fatma Ghoul que quand t'es de retour, et ça c'est la vérité, Mustapha. Enfin, l'idée, ce n'est pas vrai, je te rends visite tout le temps. Parce qu'en plus, elle fait les comptes. Allez, on y va. Les repas de ma petite mère m'ont manqué, t'y viens? J'ai rien cuisiné du tout, je suis désolée. Ah, tu pourras jamais me faire avaler ça. Dis, c'est une tourte aux légumes? Bah non. Ah, t'es sûr? Ne change pas de sujet, t'es pas venu me voir et ça me fait beaucoup de mal. Tu vas pas en plus me faire culpabiliser. Ça a l'odeur de notre enfance, tu trouves pas? T'as loupé le printemps? Il a été magnifique cette année. Et je n'aurais pas vu l'été si Selim n'avait pas décidé de se marier. Attends, tu serais pas venu? On te voit déjà plus que l'été, Viral. Accélère! Plus vite, Karim! Vas-y, dépasse-les! Attends, cherche pas à les emmerder, y'a un mec avec elle! Allez, vas-y! J'adore vos strings, les filles, et je vous aime! T'es un gros malade, mec, t'es un grand malade! Bon sang, ce que ça fait du bien! Au fait, est-ce que t'as une copine? Ben non. Et toi, t'en as une? Non. Il n'y avait pas cette anglaise, là? Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette fille? Ah, on s'envoie des mails de temps en temps. Ah, et il n'y a pas une fille dans le coin? Encore moins. Et Benin n'a pas insisté pour que tu te maries? Non. Regarde, Selim, c'est fini pour lui. C'est chouette en même temps. Il va devenir le beau-fils d'un sénateur, c'est plutôt cool. Allez, j'y retourne. Non, oh, t'es un grand malade, arrête! T'es pas réveillé, Selim? Ah mon Dieu, il est tellement tard. Selim, Selim, réveille-toi, ta fiancée Maltem est arrivée. Je te dis qu'elle est là, elle va bientôt monter les marches. Est-ce que toute la famille est partie? Depuis longtemps. Oui, ils ont décollé très tôt ce matin. Bah,
Lève-toi et saute sous la douche. Allez, dépêche-toi un peu. Est-ce que ma valise est prête? Oui, tout est prêt. J'ai déjà sorti ton smoking du placard. Il ne te reste qu'à te doucher. Hein? Selim, t'es pas debout, j'y crois pas. T'en fais pas, tout est prêt, mon amour. Faut juste que je prenne une douche. J'en ai pour 5 minutes. J'ai déjà vu le journal du jour, il y a Digard, pas besoin de le cacher. Ils n'ont pas publié toute la photo, Meltem. Erdogan et grand-père étaient aussi dessus. La photo date de plusieurs semaines. Ils viennent de la publier. T'es au courant pour cette nuit? C'était l'anniversaire de Didem et nous sommes allés dîner, je t'en ai parlé. Toi, t'étais à Ankara. Je n'ai pas du tout envie de parler de ça, Selim. Dépêche-toi et prends ta douche, sinon on va manquer notre vol. Oh, c'est dégueu, tu sens fort l'alcool. C'est à cause du vin d'hier soir. Après que tu sois parti, je suis venu direct à la maison. Oh, ok, je vais t'attendre en bas des escaliers. Est-ce qu'il est sous la douche? Parfait. Sa valise est prête, son smoking est sur la patère. À quelle heure il est rentré hier soir? Je ne sais pas, je suis allée au lit très tôt. C'est bon, Yadigar. Tu ne vas te coucher que lorsque tout le monde dort. Dis-moi l'heure à laquelle il est rentré. Ne me demande pas ces détails, Meltem. Règne ça avec Selim. Nos invités vont commencer à arriver cet après-midi, Mounir. Est-ce qu'il y a d'autres invités qui viennent d'Ankara? Évidemment. Pour quelle autre raison ferions-nous le mariage ici? L'idée, c'est qu'ils voient qui nous sommes. Bien sûr. Tu savais que la semaine dernière, ils ont été à deux doigts de se séparer. Ah! Quelqu'un a appelé Metlem et lui a dit que Selim avait fait la fête sur un bateau avec d'autres filles. Mais attends, est-ce que c'est vrai? Je m'appelle quand même Yasaran, papa. Je ne suis pas le fils de Rezat, mais le tien est tué à un Yasaran. Essaye de te calmer. Selim a des parts dans la compagnie et pas moi. Je travaille comme un forcené pendant qu'il ne glande rien, mais Rezat refuse systématiquement de le voir. J'espère que cette fois, il retrouvera ses esprits et qu'il se calmera. Parce que si ça se reproduit, son père va le tuer. Ils font des affaires, tous les deux. D'ailleurs, Rifat se prépare à ça depuis plusieurs jours. Pourquoi je n'ai pas de part, papa? Pourquoi? D'accord, hein? D'accord. Une fois que ses fiançailles seront passées, je lui en parlerai. Mounir, il complote quelque chose. Je le sens. Mais écoute-moi bien, je me débarrasserai de toi en premier. Si tu sais des choses et que tu ne me le dis pas. C'est bon, Rezat. Tu crois vraiment que je me tairais si je savais des trucs? Je te jure, je ne suis au courant de rien. Rifat, de quoi est-ce que vous parlez tous les deux? Fais-le-moi partager, je m'ennuie comme un rat mort. J'arrive, j'arrive. Je m'en occupe. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, faut que j'y aille. Où est-ce que tu vas, Kerim? On vient d'arriver. Tu te reposes et moi je dois retourner à l'atelier parce que sinon Galip va s'énerver. Tu ne m'avais pas dit que tu étais dans le pot aujourd'hui? Puisque mes parents ne sont pas là, on peut nager dans la piscine, Kerim, et profiter du calme. Déjà, réponds à ton téléphone. Selim. Allô, le futur marié, tu es arrivé? Non, là je suis en route vers l'aéroport avec Meltem. Comment ça va, vous, là-bas? Comment dire, c'est chaud. À tous les points de vue. D'accord. Ok, passe ce soir, il y aura une petite fête. Quoi, chez toi? Sûrement pas, je ne veux pas avoir affaire à Ressad Yasaran. Non, Vural, c'est à l'hôtel que Meltem a choisi. C'est le nouvel hôtel sur la baie de Senet. Hein? Tous les invités ont pris des chambres là-bas, on va y aller directement. D'accord. Dans ce cas, ok. Dis-lui bonjour. Ah, Kerim te dit bonjour, on va y aller ensemble. Non, n'amène pas Kerim avec toi. Ok, je l'amènerai avec moi. Je peux vous laisser seul. T'es con, Vural, t'es vraiment con. Ok, on se voit ce soir. Quand est-ce que tu atterris, au fait? Ok, alors à plus tard. C'est qui, Kerim? Kerim? Rappelle-toi, je t'ai dit que je suis allé à l'école élémentaire, là-bas. C'est un pote de l'époque. Je ne le vois que durant les étés. Un mec du coin, c'est un forgeron. Et il travaille aussi dans l'atelier de menuiserie. Eh oui, comme tu vois, j'ai aussi des amis ouvriers, chérie. Heureuse de l'apprendre.
T'aurais pas dû lui dire que je venais à sa soirée. Qu'est-ce que tu racontes, Kerim? Il va se marier et il veut que tous ses amis soient là-bas avec lui. Bon, d'accord, mais d'abord, faut que je me change. Où est-ce qu'on va? À l'hôtel de la Bête Sénette. Ah. Je te prêterai bien une de mes chemises, mais j'ai bien peur qu'elles soient un peu trop petites pour toi. Bon, à plus tard, mec. Mokadès? Ces pauvres petites choses ont besoin de soleil aussi. Elles ne savent pas que c'est déjà l'été. Tu ferais mieux de te couvrir. Tout le monde te regarde. Il n'y a personne autour à part des chèvres et des brebis. Même toi, tu ne prends plus de plaisir à me regarder. Assieds-toi maintenant. Et sers-moi du thé, tu veux? Fatma Ghoul, est-ce que tu veux du thé? Non, merci, Rami. J'en ai déjà bu chez Alid. C'est quoi ce regard? Tu as couché avec lui, n'est-ce pas? N'importe quoi. Tu sais que je ferai jamais une chose pareille. Chut! Alors écoute-moi bien. Ne me dis pas que tu as pris le thé chez Alidé. Parce que ton frère peut avaler ça, mais pas moi. Je te jure qu'elle y était, on a mangé ensemble. Vous n'êtes pas allé à la nouvelle maison avant? Si, si, bien sûr, mais pas pour ce que tu penses. Tu vois, tu ne peux pas me regarder dans les yeux. Tu es décidément une vilaine petite dévergondée. Oh, tu commences vraiment à me fatiguer. Regarde-moi, si tu as des rapports avant de te marier, ce type va se lasser de toi et il va te laisser tomber. Nous ne faisons rien de mal, Mokadès. Si les gens apprennent ce que tu fais, tu ne te trouveras jamais un bon mari, crois-moi, je te dis la vérité, Fatma Ghoul. Mokadès, qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, mon chéri. Nous parlons de choses de femmes. Ah, bien. Fatma Ghoul ne se sent plus. Surtout depuis qu'elle s'est fiancée. Elle est trop gâtée. Qu'est-ce que la petite a fait de mal? Quelle petite? C'est avant tout une allumeuse. Oh, elle va avoir des problèmes, moi je te le dis. Ah, c'est le majordome des Yazaran. Ça va, Rami? Bien, bien, oui, et toi? Bonjour Ismaël, bienvenue. Ah, bonjour. Bienvenue. Merci. Oui, bienvenue. Viens, nous, on était en train de prendre le thé. Merci, nous sommes un peu pressés. Tu ne viens jamais ici, qu'est-ce qui se passe? Nous avions l'habitude de produire plein de choses, mais nous n'avons plus le temps maintenant. Et vu que le marché est fermé... Nous sommes au courant. Nous sommes au courant. Parce que c'est trop de travail. J'imagine. C'est un ami qui m'en a parlé alors que je faisais une de mes tournées. Du coup, nous cherchons des produits laitiers par ici. Ah, il n'y a pas un produit laitier qui vaille les nôtres, Ismaël, dans le coin. Tu as bien fait de venir ici. Je le sais, pourquoi croyez-vous que je suis là? Selim, le fils de Rezad, va se fiancer. Grand bien lui fasse. Ils ont une soirée chez eux, et nous aimerions vous acheter du beurre et du fromage pour cette occasion-là. Bien sûr, nous allons le faire, Ismaël. Bien sûr que l'argent des Yassaran nous rentre un peu dans les poches, qu'on en tire nous aussi un peu profit. Ok, alors je crois qu'on est d'accord. Donne-leur la liste, Farid. On en aura besoin demain matin. C'est d'accord, tu veux passer prendre la commande ici? Si vous pouviez nous livrer, ce serait mieux. Nous aurons besoin de toutes les voitures ce jour-là et nous n'aurons pas à nous en préoccuper. Ok, pas de problème. Et puis nous aurons besoin de personnel supplémentaire en cuisine ce jour-là aussi. Si vous pouvez nous envoyer du monde, nous les paierons pour leur temps, bien sûr. Ok. Nous pourrions travailler nous aussi, Ismaël. Nous avons aussi un mariage dans l'air et nous avons besoin de chaque centime qui se présente. Oui, parce que ma sœur va se marier. Oh, bonne nouvelle! Cette ravissante jeune fille est ta sœur, Rami? Oui. Écoute, Ismaël... Je vais faire de mon mieux pour cette commande, tu n'auras pas de problème, tu n'as pas à t'inquiéter. Comme ça, vous passerez désormais toujours par nous. Ok, très bien. C'est une excellente idée. Livre-nous toute la liste et fais bien la livraison. Ne t'inquiète pas, je m'en charge personnellement. Allez, au revoir Ismaël. Et bon courage. Oui, au revoir. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Non.
Ne te réjouis pas trop vite, on vient à peine de commencer. Mais devenir le fournisseur des Yasaran, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que c'était Reza Yasaran? C'était son majordome, idiote. Majordome, t'imagines? Non mais tu imagines? Si ça, ce n'est que le majordome? Je me demande à quoi ressemble la famille, ils sont riches, tu sais. Ok, tout le monde au travail. Il y a du pain sur la planche. Au fait, la famille de Mustapha veut nous rendre visite ce soir. Oui, qu'ils viennent, oui, qu'ils viennent. Quand même pas pour dîner. Il veut juste parler du mariage. Alors tu prends Mourad, et tu te débrouilles en cuisine avec lui. Ce sont tes invités, pas les miens, est-ce que c'est d'accord? Je t'ai rien demandé du tout. Mourad, viens avec moi, on y va. Elle arrive toujours à esquiver le travail. Vous voyez, c'est bon contre la perte des cheveux. Vous l'utiliserez tous les deux jours, 10 minutes avant la douche, c'est compris? Une friction toute simple, je vais l'écrire pour vous sur le papier. Pas besoin de l'écrire, j'ai bien compris. Pourquoi on vous appelle Ébénine? Eh bien, Ébénine, c'était le surnom de ma mère. C'était une guérisseuse comme moi. D'ailleurs, tout ce que je sais, je l'ai appris d'elle. Ah, ma petite mère. C'était une femme assez extraordinaire. Elle était grande, elle était mince, elle était de Crète. Et elle s'est installée ici exactement. Elle s'est mariée ici aussi. Et elle a accouché de moi également dans cette ville. J'étais tout le temps fourrée avec elle jusqu'au jour où elle nous a quittés. Et bon, après sa mort, les gens du coin ont commencé à m'appeler Ébénine par habitude, j'imagine. Ébénine par ici, Ébénine par là. Et du coup, j'ai hérité du surnom de ma mère de cette manière. C'est mignon. Il y a même une prostituée anglaise d'Izmir qui m'appelle Ébénine. Nine, ça veut dire neuf en anglais. Et donc, pour elle, c'est Ébénine. D'ailleurs, si un jour j'ouvre ma boutique, j'écrirai Ébénine sur la plaque au-dessus de la porte. Si vous déménagez à Istanbul avec vos remèdes, vous deviendrez célèbre. Vous pouvez me croire. Je suis déjà célèbre ici, mademoiselle. Je suis aussi connue que le gouverneur de la région, vous imaginez? Pour être sérieux, je suis très heureuse ici. Mes herbes sont ici, mes amis sont ici. Pourquoi vous n'êtes pas mariée? Alors ça, c'est drôle, c'est la seule chose contre laquelle je n'ai pas de remède. Par contre, j'ai un fils formidable. Comment est-ce possible? Sa mère me l'a donné à élever, alors j'ai tout fait à part lui donner la vie, voilà tout. Bonjour, mademoiselle. Salut. Salut, ça va? Comment ça va, maman? J'étais justement en train de parler de toi, ces charmantes jeunes filles. J'ai préparé de la citronnade, est-ce que tu en veux? Non, je dois prendre une douche et ressortir. Selim va présenter sa fiancée à tous ses amis. Il m'a invité à l'hôtel de la baie de Sennet. Alors vas-y, vas-y, vas-y. Bonne journée, mademoiselle. Merci, merci beaucoup. À tout à l'heure. Très bien, nous en avons fini. Si ça ne fonctionne pas, appelez-moi. Appelez-moi également si ça marche, parce que dans ce cas, je vous en enverrai d'autres, c'est promis. Ok, merci, au plaisir de vous voir. Est-ce que tu vas rester dîner là-bas, mon chéri? Je sais pas, maman, je t'appellerai. Bon, d'accord. Je vais te préparer ton repas quand même, mais fais-le-moi savoir dès que tu le sauras. Non, non, t'embête pas, merci quand même. Avec qui est-ce que tu y vas? Est-ce que tout le monde y sera? J'y vais avec Célim, sa fiancée. Je suis passé prendre Vural. Vous, Vural, ce n'est pas le fils de cet officier qui habite dans cette grande maison? Et puis aussi Erdogan. Eh bien, mis à part toi, ce n'est qu'un groupe de parasites. Arrête, dis pas ça, maman.
te jure, il a invité tout le monde simplement pour pouvoir faire son entrée. Ça dépasse l'imagination. Les portes de l'avion royal s'ouvrent. Et le prince Yasaran présente sa future femme à sa ville natale. Oui, prince de mon cul. Et maintenant, il salue les invités. T'inquiète pas, j'ai pas craché sur toi. Bah, réponds. C'est pas le mien. Dans ce cas, éteins-le. C'est bon, c'est fait. Si c'est une fille à qui tu ne veux pas parler, enregistre-la sous le nom de Boniche. Boniche 1, Boniche 2. Par exemple, j'ai cette Boniche 7 dans mon répertoire, elle est super tenace. Quoi, Boniche 7? Ouais, et si je lui réponds quand je suis bourré, c'est quasi impossible de me débarrasser d'elle. Ce n'est pas une de mes boniches, comme tu dis, c'est une de celles de Selim. Il donne mon numéro quand il est bourré. Et il faut que je me tape ces histoires de meufs. Ah, pourquoi tu ne me donnes pas son numéro? Sûrement pas. Allez, je rendrai service à Selim en m'occupant de cette pauvre petite boniche, vite. Alors les gars? Salut vieux. C'est quoi cette arrivée? C'est parce que la voiture, ça rend Meltem malade. Ah. Karim? Salut vieux. T'es de plus en plus beau. Ne me fais pas d'ombre aujourd'hui. Ça va, Selim? Hey Meltem, je voudrais vous présenter ma fantastique future femme. Ainsi que ce qu'elle a de mieux, n'est-ce pas? La fantastique position dans le bureau de son père. Tu l'as rencontré Vural à mon anniversaire. Salut, ça va? Ça va, et toi? Karim, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Bienvenue. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Bon, on y va? Bravo! Bravo! Kérim? Je suis rentré. Ne marche pas trop près des bougies parce que tu pourrais prendre feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as commencé à boire et tu ne t'es pas arrêté? Et tu as conduit la voiture jusqu'ici, c'est pas sérieux. Là, tu me fais honte. Qu'est-ce que tu fais de toutes mes règles d'éducation? J'ai conduit lentement. Et demain, je vais dire à Galib de ne pas te donner la voiture pour ne pas que tu conduises ivre. Tu es un idiot. Tu m'avais promis que tu ne conduirais plus si tu sentais que tu étais saoul. Maman, je suis vraiment désolé. Viens par ici, tu veux? Tu as pris autre chose que de l'alcool, n'est-ce pas? De la marijuana? Parce que ces vauriens consomment de tout. Non, maman, s'il te plaît. Est-ce que tu te sens malade? Laisse-moi te préparer du café pour te faire dessouler. Non, mais ça ira si je me repose ici et que je respire un peu d'air frais. Tu as dû rencontrer la fiancée de Selim aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle est? Oh, je me demande quel genre de femme pourrait épouser un type pareil. Est-ce que c'est mon plat préféré? En effet, c'est un flan aux fruits. Elle cuisine toujours les desserts préférés de son futur beau-père. J'ai fait de la glace pour toi. Ah, n'est-elle pas adorable? Amène de la crème également, je l'ai faite moi-même. Ah, ah, je peux pas manger de glace, ce sera de trop. Donne-en à Mourad d'abord, tu veux? Je le ferai une fois que je t'aurai servi. Elle a l'air parfaite, comme je les aime. Merci, ma chérie. Non, je n'en veux pas. Il y avait trop d'huile dans ton repas, ça me brûle l'estomac. J'en ai pas mis beaucoup pourtant. Donne-le à ton frère, il le mangera.
Merci beaucoup. Tu devrais t'asseoir, ma chérie. Bon sang de bois, tu n'as pas arrêté. Rassure-toi, l'idée, parce que ça ne va pas durer. Elle veut simplement essayer de vous impressionner ce soir et c'est tout. Eh bien, il faut croire que ça a marché parce que nous aimons cette petite. C'est absolument divin. T'en veux encore ? Non, ça ira. Bon, alors, c'est pour quand ce mariage, hein ? Oui, parlons-en. La maison sera finie dans quelques semaines. Demain, je vais commander les carrelages pour la cuisine et la salle de bain. Tu dis quelques semaines, mais il faudra plus de temps que ça, Mustapha. Tu peux me croire à ce sujet. Hallyday nous a fait la visite il y a quelques jours, n'est-ce pas ? Oh oui, ça va prendre des mois. Vous ne pourrez pas vous marier avant le printemps prochain, moi, je vous l'assure. Non, non, juste quelques petites semaines. Mustapha repart en mer quelques jours. Mais quand il reviendra, il travaillera avec son père sur la maison, ses oncles l'aideront également. Ils finiront vite, je suis sûre. Il faut l'espérer. Allons chercher une robe de mariée la semaine prochaine. Nous ferons quelques retouches sur mon ancienne robe. Ne dépensons pas d'argent pour une nouvelle. Non, sûrement pas. Elle aura sa propre robe. Sa propre robe de mariée. Elle va être toute neuve pour toi, oui, toute neuve. Mais il n'y aura pas de fête après le mariage. Nous ferons une petite cérémonie en ville et voilà, ce sera fini. Et pourquoi donc ? Ce n'est pas une fête de veuvage, sans blague. Nous ferons quelque chose de simple, qui sera dans notre budget. Nous pouvons le faire dans notre jardin. Ça peut marcher. Le frère de mon capitaine possède un restaurant sur la côte. Je me disais qu'on pouvait le faire là-bas. Je vais aller lui en parler. Je pense que ce sera beaucoup trop cher. Au lieu de dépenser l'argent dans une fête, acheter quelque chose pour la maison. C'est vrai. Nous n'avons pas eu de fête, nous, n'est-ce pas ? Parce que mes parents venaient de nous quitter. Ils sont morts maintenant. Nous voulions en faire une, mais on n'a pas pu. On n'a pas pu. C'est une terrible histoire. Toutes mes condoléances. Comme tu dois le savoir, les gens du village vivent sur leurs terres gratuitement. Oui, ils en ont pris possession lors de l'échange de population de 1923. Elles ont été données en échange d'autres choses, rappelle-toi, pas gratuitement. Mais ces terres n'avaient absolument pas la même valeur que celles de là-bas, Touraner. Ils habitent sur cette baie magnifique sans avoir payé pour... Mais enfin, dis quelque chose, Mounir. Oui, oui, il a raison. Et ces gens laissent leurs animaux en liberté. Ils s'attaquent régulièrement aux touristes. J'ai dû gérer 10 à 12 plaintes rien que cette année, Turaner. Oui, vraiment ? Je m'ennuie comme un rat mort. Si tu veux partir, allons-y, je t'en supplie. Chut, oui, d'accord. Donnons-leur des terres sur les collines, dans ce cas. Et faisons un nouvel échange. Pas bête, pas bête. Ce serait extraordinaire s'il pouvait y avoir... des complexes internationaux sur cette baie aussi, vous voyez. Oh non, je t'en prie, ne bousille pas cet espace. Ça me rendrait malade. Mais ce n'est pas du tout ce que tu crois, Ender. C'est comme ils le font dans d'autres pays. Des structures qui épousent le relief. Tu vois ce que je veux dire ? Hein ? Exactement. Excusez-moi, s'il vous plaît, je vais y aller. Nous devons retrouver les invités, alors excusez-nous également. Nous devons rencontrer les amis de Meltem qui arrivent de l'étranger. Oui, oui, vas-y. Ne laissez pas vos invités tout seuls. Papa, maman, je vous retrouve à l'hôtel. Bien, ma chérie. Surtout, amuse-toi. Ok. Ne prenez pas la voiture. Laissez plutôt le chauffeur vous conduire. Bien, très bien. Je vous retrouve demain. Passez une bonne nuit et à demain. Oui, bonne nuit. Ciao. Bon. Il m'y est. Et si nous allions montrer notre serre à Ender, tu veux ? Ah, d'accord. Ça te ferait plaisir de voir comment la serre est belle la nuit ? Avec plaisir. Bonne fin de soirée. Où est-ce que j'en étais ? Ah oui. Bon, tu sais que... Tu sais sûrement que ce sont des zones protégées, n'est-ce pas ? C'est une excellente chose pour eux, mais pas pour nous. Et si les lois changent comme vous le souhaitez, eh bien tout changera comme vous dites. Oui, ce serait possible. Si c'est le cas, allons voir directement sur place. Allons découvrir ce dont nous parlons, n'est-ce pas ? Parfait, parfait. C'est exactement ce que je me disais. Puisque tu es ici, nous devrions y aller. Le fils de Yasaran célèbre ses fiançailles en ce moment même. Et lequel de ses fils ? Le plus vieux, Ressat Yasaran. Le plus vieux, le plus vieux. Son majordome est venu à la ferme aujourd'hui. Ils achètent leur fromage chez nous. Oh, c'est très bien tout ça. Maintenant, vous fournissez la hôte, n'est-ce pas ? Ils nous ont aussi invités à la cérémonie. Mais en cuisine, pour travailler comme employés dans la cuisine. Je n'ai jamais dit que nous étions invités à la soirée. Je te jure, celui-là. Est-ce que tu vas y aller, toi aussi ? Bien sûr qu'elle vient. Je ne peux pas tout faire moi-même là-bas. Vous connaissez Rami ? Qu'est-ce que j'ai ? Je t'aide toujours. Ne dis pas le contraire. Je le fais tout le temps. Oui, bien sûr, je sais. Je vais aller me laver les mains. Viens. Rami, va chercher une serviette pour Mustapha. J'y vais. Je l'ai déjà sortie. Elle est à côté de l'évier. D'accord. À côté de l'évier, à côté de l'évier. Non, ça va, Rami. Tu peux t'asseoir, je me débrouille.
Oh, j'ai trop mangé. Merci beaucoup encore une fois. Oh, mais j'en suis ravie. Maintenant, on doit rentrer à pied. Il ne reste plus que ça à faire. Fatma Ghoul, ma chérie, je ne dirai pas non à un café. Oui, bien sûr, tout de suite. Qu'est-ce qu'il en voudra ? Ton beau-père l'aime avec du sucre, mais pas pour moi. Moi, je n'en veux pas. Moukaddès fait exprès d'être méchante. Je sais. Tu n'es pas heureuse ici, mais bientôt nous laisserons tout ça. J'ai tellement hâte. J'ai changé d'avis, je veux bien un café en fait. Quelle toupée! Dans la maison de ton frère, tout le monde est dehors. Tu devrais avoir honte.